ton appel. Tu es appelé. T'as appelé à marcher dans les impossibilités. L'impossible appartient à l'homme. Mais l'impossible appartient à Dieu. Nous avons la parole de Dieu dans Psaume 18, 20-30. Vite, 18-28. Oui, tu fais briller ma lumière. L'Éternel, mon Dieu, éclaire mes ténèbres. Avec toi, je me précipite sur les troupes en armes. Avec mon Dieu, je franchis une muraille. Les voies de Dieu sont parfaites. La parole de l'Éternel est éprouvée. Il est un bouclier pour ceux qui se confient en lui. Avec mon Dieu, je franchis une muraille. Kuko uzakiza abacishijwe bugufi ariko amaso yibona uzayasubiza hasi ni wowe ukongeza itabaza ryanjye Uwiteka Imana yanjye niwumurikira umwijima wanjye kuko ari wowe umpa gutera umutwe w'abahisha kandi ari Imana yanjye ima gusimbuka inkike z'igihome amen avec mon Dieu je franchis une muraille. En anglais. For by you I can run against the true. By my God I can leap over the wall. As for God, his way is perfect. The word of the Lord is proven. He is a shield to all who trust in him. Amen. Avec mon Dieu je franchis une muraille. Psaume 118, 13, dans d'autres c'est 14. Avec Dieu, nous ferons des exploits, il écrasera nos ennemis. 108, 13 ou 14. 108, le dernier verset. Imana izadukoresha iby'ubutwari uko ari izaribata ababisha bacu. Amen. Through God we will do valiantly, for it is you shall tread down our enemies. Amen. La Bible en français dit avec Dieu je franchis le muraille. Avec Dieu nous ferons des exploits. Ninataka uelewe huyu. Haleluya. Amen. Huyu mtu wa Zaburi anasema pamoja na Mungu. Ndagira ngo msubabikirwe ko uyu muntu muri Zaburi yavuze ngo hamwe n'Imana. Le psalmiste dit avec Dieu je franchis le muraille. Mwari tu wa Zaburi yavuze ngo hamwe n'Imana nzamena cyangwa se ndasibuka ibihome. Avec Dieu nous ferons des exploits. Hamwe n'Imana tuzakoreshwa iby'ubutwari. Iyo le muraille invisible. Satan te limite. Mais avec Dieu, nous franchissons le miracle. Ça veut dire qu'avec Dieu, il n'y a pas de barrière. Avec Dieu, il n'y a pas de limite. Même s'il y a des miracles autour de toi. Mais avec Dieu, tu vas les franchir. Mais souligner avec Dieu. Toi seul, les mirailles te bloquent, tu ne peux pas aller loin. Mais avec Dieu, tu vas les franchir. Ça veut dire avec Dieu, toutes les limitations humaines, tu les dépasses. Tu vas au-delà des limites humaines. Comprenez ceci. Avec Dieu, je franchis le miracle. Ce sont des mirailles de limitation. L'argent peut être une miraille pour toi.
Tu ne peux pas aller dans ce que tu veux aller avec Dieu. Il y a beaucoup de choses qui peuvent être considérées comme des miracles. Mais avec Dieu, je franchis les miracles. Ça veut dire avec Dieu, je peux aller aussi loin que les forces humaines peuvent me permettre. Pamoja na Mungu, ninaweza kwenda mbali kuliko nguvu za mwanadamu. Avec Dieu, pamoja na Mungu. Hallelujah. Amen. Avec Dieu je franchis les mirailles. Le psalmiste continue. Avec Dieu je nous ferons des exploits. Avec Dieu. Pourquoi avec Dieu? Il y a si on fait kana ni ya Bwana. Ibida shoboka ni imani mishoboka. Yanayowezekana ni ya kwako wewe. Alikubishoboka ni bya wewe. L'impossible appartient à Dieu. Ibidashoboka ni imana. Mais nous, Dieu nous a donné à faire ce qui est possible. Alikubana yatuhaye twe n'ubushobozi bwo gukora ibishoboka. L'impossible appartient à Dieu. Ibidashoboka ni imana, imana yewe ni ibishoboka. Moi sans Dieu, le miracle me bloque. Jewe nafite imana, ibihome bizanzitira. Mais avec Dieu, je franchis les mirailles. Est-ce que vous avez compris? Amen. Amen. L'impossible appartient à Dieu. Le possible nous appartient. Ne demande jamais à un homme de faire l'impossible. Ça se veut lui demander ce qui appartient à Dieu. Demande à l'homme ce qui est possible. Même les États, gouvernement. Vous savez, en droit, les États, on les appelle la puissance publique. La puissance publique. Vous comprenez? Même les États confessent que le possible leur appartient, mais le possible, ce n'est pas de leur ressort. Amen. Nous ne pouvons pas acquérir toute la misère du monde. Arrêtez les réfugiés qui ne viennent plus chez nous. C'est au-delà de notre capacité d'accueil. Ça, ce sont des États qui s'appellent des États économiquement puissants. Les nations puissantes économiquement. Mais ces nations disent, nous sommes dans les puissances d'accueillir toute la misère du monde. Donc, le possible appartient à l'homme. Mais l'impossible appartient à Dieu. Amen. 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 Lakini sasa aliko leo
Kuna wanadamu haraba n'abantu wanaweza bashora kutembea kugendana ndani ya mambo yasiyowezekana kutembea mu bidashoboka. Amen. Yanayowezekana ni ya mwanadamu. Ibishoboka biri mu rwego rw'umwana wa Mungu. Yasiyowezekana ni ya Mungu. Ibidashoboka Mungu akuombi wewe kupenda yasiyowezekana. Imani nako ikusaba uko ikidashoboka. Kwa sababu hayo si yako, kupiga tani jawe. Na mwanadamu hawezi kukuomba kufanya yasiyowezekana. Kani ungana umuntu nawe ni akusaba uko ikidashoboka. Lakini Mungu alitimana. Yeye anatenda yale yasiyowezekana. Imani yo iko ikidashoboka. Sasa hapa yule Mungu anasema, hapo naelisha kwa Imani anavuga nguo. Anayetembea na Mungu, ungeenda na Imani. Anayetembea na Mungu, ungeenda na Imani. Hata tembea ndani ya yale yanayowezekana. Hapo achiendelea mubishoroka. Anatembea ndani ya yale yasiyowezekana. Asiendelee mubishoroka. Kwa sababu ana Mungu anayeweza yasiyowezekana. Kule anakopita Imani shoko bidashoboka. Betwele se. Bene data mushikiba. Biraramiranye kuba mu matorero gusa. Amen. Hageze yuko mutangira kumenya ese kwakira Yesu muri ngewe. Niki bivuga? Amen. Niki bihindura? Amen. Nibwo muzima bwanje bugumayirwa bundi. Nukuvuga ngo rero ibibiliya n'amagambo gusa y'umunyuka. Ingawa Yesu tumempokea, hatujaona ndani ya maisha yetu yale ambayo yanadhihirisha ya kwamba kumpokea Yesu maisha ni mwako, umepokea yale yasiyowezekana. Kwa kila Yesu mzima wangu alikuachia bidashoboka. Nataka kanisa hili nifuza kuitoa leo. Time is now. Ikihe alichinyichi. Time is now. Ikihe Jesus in me in you. Yesu Kristo muri nge no muri wowe. That means birasobanura ngo impossible become possible. Ngo bidashoboka. Yasiyowezekana ni ya Mungu. Ibidashoboka ni by'Imana. Yanayowezekana ni ya kwako. Ariko ibishoboka ni byawe. Sasa huyu mtu ambaye anaandika Zaburi. Leo yumwanditsi wa Zaburi. Amesema pamoja na Mungu. Aravuka ari kumwe ni Imana. Avec Dieu je franchis les murailles. Uko niko mutafiti cyo muzashobora mutafiti.
La branche reçoit la vie du tronc. Rero mukigiti cyakira ubuzima buvuye mu ruti ishami ryakira ubuzima buvuye mu ruti. Ainsi, vous ne pouvez rien sans moi. Jésus dit, vous ne pouvez la moindre chose sans moi. C'est avec lui que nous pouvons tout. C'est avec lui que nous pouvons entrer dans le surnaturel. C'est avec lui que nous pouvons entrer dans l'impossible. Savez-vous pourquoi Dieu va faire avec nous plus que nous avons vu? La réponse est dans 1 Corinthiens. Et là nous allons terminer. Ah, toi et ta douceur. 1 Corinthiens 6. Mais celui qui s'attache au Seigneur est avec lui un seul esprit. But he who is joined to the Lord is one spirit with him. Amen. One spirit with him. Nous pouvons vivre des miracles quotidiennement. Tu seras comme un bouvitangaz à Bolimousse. Nous pouvons vivre des miracles quotidiennement. Tu seras comme un bouvitangaz à Bolimousse. La raison est simple. Un homme ordinaire, un monosanswe, il marche dans l'ordinaire. A qui de la mouvissanswe? Dis ça à ton voisin. Bibire wo gicanye umuntu usanzwe agendera mu bisanzwe. Alors l'homme naturel, umuntu wa kamere, il est dirigé par les cinq sens physiques. Ayo kwa nuko yumva ibintu mu shoma ndebesha maso yanjye, je l'odorat ndahumurirwa, je le goûté ndumva ikintu mu kanwa, je peux toucher shobora gukora kora mumva, il y a lui. C'est ça que Dieu t'a donné pour pouvoir vivre dans le monde physique. Mais ça, ce n'est pas du domaine du miracle. C'est la vie ordinaire. Mais nous, enfants de Dieu, celui qui est né de nouveau, qui est né d'esprit, Dieu lui donne un autre sens au-delà des cinq sens. Imana imuha ukundi yumva ibintu birenze ukwa kamere Imana yamuremanye. Le sixième sens s'appelle la foi. Uko kumva ibintu kwa gatandatu kurenze kuri zire eshanu. Nous vivons avec les cinq sens comme les autres pour appréhender la réalité qui nous environne. Tubayeho nuko kuntu tubana n'ibintu bigaragara nk'abandi bantu kugira ngo dushobore. Tu ne peux pas rentrer à la maison sans vue. Na bushobora kugiwa wawe utangiruko kwawe utakoresheje amaso. Mais Dieu nous a donné un sixième sens, nous qui sommes nés de nouveau. Ariko Imana yaduhaye ubundi buryo bwo kubaho bwa gatandatu kuri twe twavutse bwa kabiri. Ça s'appelle la foi. Kwizera. Avec la foi, hamwe no kwizera, nous marchons avec Dieu. Tugendana n'Imana parce que nous sommes devenus un avec lui. Dieu n'a pas de corps physique. Dieu est esprit. En naissant de nouveau, nous devenons des êtres spirituels. Alors nous, mon esprit, avec Dieu qui est esprit, nous sommes un. Alors nous sommes un dans l'esprit de Dieu. L'esprit de Dieu toujours marche dans l'invisible surnaturel et opère les choses impossibles. Quand Muka w'Imana muri ugendera mu bintu bitagaragara biri hejuru y'umuntu wa kamere mu bitangaza. Avec Dieu nous sommes esprit. Hamwe n'Imana tuba umwuka umwe. À ce moment-là, nous pouvons franchir le miracle. Aho ngaho rero dushobora kurenga ibihome. Parce que je ne suis plus de l'ordinaire. Kubera ko ntakiri muri bya kamere.
bisanzwe je suis dans le monde de l'esprit de Dieu mba ndi nije mwisimuka imana est-ce que vous suivez murimo kugurikira avant de naître de nouveau tu es non ordinaire mbere y'ukuvuka bwa kabiri ubu uri umuntu wa kamere w'inyama n'amaraso mu rusange quand tu nais de nouveau iyo umunsi bwa kabiri tu deviens esprit ubaye umunyamuka umwuka alors tu es un avec ton père qui est l'esprit uba rero ubaye umwe na so nawe n'umwuka alors avec Dieu hamwe n'imana esprit iyo ari imana umwuka et toi qui es devenu esprit nawe wamaze kuba umwuka vous pouvez franchir le mirage mushobora kurenga ibihome C'est dans l'esprit. Voilà pourquoi David et les autres psalmistes. Ils disent avec Dieu, je franchis le muraille. C'est parce qu'il est devenu esprit. L'esprit est illimité. L'esprit passe partout. L'esprit agit partout. Quand tu te convertis à Jésus, tu quittes le domaine du naturel. Tu quittes le domaine du possible. Tu entres dans le domaine du surnaturel. Mais le surnaturel de Dieu. Et tu commences à vivre ce qui était impossible avant. Il faut une révolution spirituelle.
avant de rencontrer Jésus, mbere yuko nahuraga na Yesu, le salut n'a aucun sens. Agakiza na mambo yako. Quand je n'étais pas dans le Seigneur, le Seigneur n'était pas en moi. Igihe nari bwawe ndi mu mwami, umwami akaba atari muri nje, j'accomplissais certaines prouesses. Nakoraga ibintu bimwe na bimwe. Mais depuis que Jésus est en moi, ariko kuva Yesu yinjiye muri nje, et que je suis en lui, kandi nkaba ndi muri we, il doit y avoir une grande différence. Agomba kuba itandukaniro rinini. Ça veut dire je ne suis plus le même François. Nubwo namubwiri wa wundi. Je suis avec l'esprit. Nubwo ndumwe n'umwuka. Le Seigneur c'est l'esprit. Umwami n'umwuka. Alors ce que je faisais, rero ibyo nakoraga mbere, je dois avoir une dimension de Dieu. Bigomba kugaragara mu bubu urwego rw'ubumana. Je dois commencer à vivre une dimension de Dieu. Nkwiye gutangira kubaho mu rwego rw'ubumana. Nous avons fait mariage avec Jésus. Twagize ubukwe na Yesu. Nous sommes un maintenant. Turi umwe ubu ngubu. Tel il est, tel nous sommes. Uko ari niko turi. Commençons à agir comme s'il était là. Dutangire dukore aho agaragara mu byo kufatira. Il y a quelqu'un qui a écrit un livre. Hari umuntu yanditse mu gitabo. Que faisait Jésus à ma place? Yesu yakora iki mu mwanya wanjye? Commence à vivre cela. Tangira kubaho mu rugo buzima. Que faisait Jésus à ma place? Yesu yakora gute ari hano mwaka kanjye? Devant cette situation, mbere y'iki kibazo, que faisait Jésus? Yesu yabyitwara mate. Parce que tu es un avec lui. Kubera kuri umwe hamwe nawe. Fais comme si c'est lui qui le faisait. Ikora nk'uko nawe yakabikoze. Wokovu si kwenda makanisani tu. Wokovu ni kujua kwamba Mungu aliye hai, Mungu mbingu na nchi ameketi ndani yako. Ukize akachila tu kumenya kwa imani ya usilishu itwe ni wewe. Anasikia maneno yangu, urufi shambo yanje, na kumwamini aliyenituma. Akize wangu nye, baba tampenda, data za mkunda. Mimi na baba, kani jewe na data, tutakuja ndani yake. Sasa tutule mliwe. Tutakuja ndani yake tufanye makao yetu ndani yake. Tuzaza Nani anaweza kuwa na ujasiri wa kusema Mungu anaketi ndani yangu? Mwinde kwa ajili ushizi kama anapokuwa ngo imani tuye muri je. Azamu kuko. Sasa shusha mbele yako. Hero mani kuko kwa ikiwa Mungu anaketi ndani yangu. Niwa imani tuye muri wewe. Unasikia maana yake? Ese umvicho bisobanuro. Watu wanamwona? Ese abantu barababona imana muri bo? Mungu ndani yako, imani iri muri wo ituye muri wo. Shetani hawezi tena kutenda hata miles 10 around your life. Satani akoshora no gukora kilometre 10 ngo agire ikinakora mu buzima bwawe. Mungu ndani yako, imani ituye muri wo. Mungu ndani yako, imani ituye muri wo. Ndio jambo la ajabu. Biblia tanga mambo yangebadilika. Ibi njago giko byarahindutse. Mambo yangebadilika. Ibi njago byarahindutse. The shows in me. Ibi bitangaje. Comment ça se passe? Bizatangira kuba muzima bwawe. The shows que le monde qualifie impossible. Ibi no isi tako bidashok. Comment ça va pour le passe d'être? Bizatangira kuba muzima bwawe. The shows. Ibi no dépasse l'entendement. Ibintu birenze ubwenge bwa gusobanukirwa kwa komasiro asivora na David bizatangira kuba mu buzima bwa bizatangira kugaragara mu buzima. Ça ne veut pas dire que Dieu n'est pas en toi. Ça ne veut pas dire que Dieu n'est pas en toi depuis que tu as reçu Christ. Rero ntabwo bishatse kuvuga ko Imana itari muri wowe kuva igihe wakiriye Yesu Christ. C'est toi qui n'as pas compris l'implication. Ni wowe utiye usobanukirwa icyo bivuze kuba Yesu atuye muri wowe. Vous avez compris ce que c'est pour vous? Les Écritures disent, depuis que tu as dit, Seigneur, je me répands, je suis pécheur, je veux que tu es mort à la croix pour moi, viens me pardonner, viens vivre en moi, il est venu par son esprit. Et bien, ce que vous avez dit, mais beaucoup de chrétiens, ils n'ont jamais réalisé ce qu'ils ont fait.
ntibigeze basobanukirwa neza icyo bakoze. Est-ce que Jésus, quand les disciples se débattaient contre les vents, contre les tempêtes, Jésus était dans la barque? Est-ce que ça les a empêchés de galérer? Est-ce que ça les a empêchés de lutter et de perdre courage? Il était dans la barque. Mais il était comme s'il n'était pas là. Toi aussi, il est en toi. Il est en toi depuis que tu l'as invité. Mais tu n'as pas compris l'implication. Alors, d'ici la saison, c'est toi qui vas l'idée.